applaudissez, que vous attendez, évidemment, celui qui va répondre à toutes vos questions, Monsieur Keanu Reeves. Merci, merci. Thank you for coming back with us. Well, obviously, I mean, Matrix changed your life in many ways. Obviously, fame, but also an incredible encounter. Of course, Tiger Wu Chen and the lead role in your first feature film. I mean, how did it all come about that you picked him to be your leading man in a film where, on top of it, you play the bad guy? En gros, d'où vient bien sûr Matrix, la célébrité, mais aussi la croisée de chemin du héros de ce film, Tiger Wu Chen. Je voudrais pourquoi lui, pourquoi en a-t-il fait l'acteur principal de son film, où en plus il interprète le bad guy. Okay, so the lead actor Chen Hu was a stuntman on the first Matrix. He helped train me for the film, and then we worked together on the following two films. During the training, you would oftentimes be stretching and training for 5 hours a day, and so we became friends. And then after, we decided we wanted to work together, and then we developed this story for about 5 years. And while we were developing this story, I asked him if I could direct it, and he said yes. Wow. Alors voilà, en fait, évidemment, Yu Chen, il était déjà celui qui l'entraînait sur Matrix, la trilogie entière. Et évidemment, lorsque l'on passe 5 heures par jour à s'entraîner, à faire des étirements, à s'exercer, etc., et bien au bout d'un moment, c'est vrai qu'on devient ami. Ça a duré évidemment des années, la trilogie, et au fil de ces années, eh bien on a développé une histoire ensemble. Et un jour, je lui ai dit, au bout de 5 ans, écoute, j'ai vraiment envie, moi, de passer derrière la caméra. Et il m'a dit oui. Alors moi, je vous demande, puisque vous venez de voir ce film, voilà, évidemment que je peux poser plein de questions, mais j'imagine que si vous êtes là, c'est pour en poser vous. Vous avez certains attendu très longtemps, donc n'hésitez pas, il y a un micro pour vous qui va passer. Sinon, je continue. Mais s'il y a déjà une question, okay. Une question. Un moment, s'il vous plaît. Oui. So Chen Hu grew up practicing martial arts and practicing Tai Chi. He was a stunt man, but he came from this traditional background. And at the same time, he was a very modern guy. He came from Chengdu. He moved to Beijing. He was a stunt man, but he always had this traditional part to him. And so we really based the character on this traditional martial artist. At the same time, a young person growing up in modern, today's China. Alors en fait, je voulais aussi rajouter évidemment que c'est quelqu'un qui a un passé absolument extraordinaire parce qu'il a évidemment été élevé dans la tradition en quelque sorte, mais il arrive de Chengdu à Beijing. Et donc il y a à la fois chez lui ce modernisme et cette tradition. Et le personnage eh bien, est basé sur, évidemment, lui en tant qu'artiste des arts martiaux traditionnels, mais en même temps à travers le regard et la perspective d'un jeune homme qui apprend à grandir dans la Chine d'aujourd'hui, la Chine moderne. Donc il y a ce mélange de tradition et de modernisme. Oui, you agree with me? All right. Well, I've lots of questions, but I'll have it. It's their time with you okay. To go for it. Okay? Alors, première question. Oui, levez-vous d'ailleurs, comme ça c'est plus sympa, on vous voit. Voilà. Hello, nice to meet you. It's like a funny question. Thank you for your movie, very effective. It's about the final fight, which the hero doesn't want to fight. Is it on purpose that you show the hero of the red as a fighter? The hero in the red? The Indonesian actor? Oh, Iko. Yeah. The hero of a big fighter movie. Yeah. The second one has its release in July, so. Right.
Votre anglais est génial. Notre mandarin et cantonais n'est peut-être pas terrible. Si on essayait le français. Je voulais savoir si c'était exprès que le combattant devant le dernier combat, est-ce que c'est exprès que c'est le héros du film The Raid, The Raid 1 et The Raid 2. La sortie arrive au mois de juillet. Ok. I mean, do you make it on purpose that that basically, I mean, the in your last fight, I mean, the man you mentioned who is obviously the specialist, I mean, is it on purpose that you used him because he's going to be the star, the leading part also of Red 1 and 2 films that are about to be released? Or is it at all, I mean, coincidence? I had seen Ico in the first Raid and thought that he was amazing, and not only as a martial artist, but his being, his sense. He felt almost like a priest to me, and so I thought that in that fight with Tiger, where Tiger runs away and uses a different kind of Tai Chi, right? He's kind of using soft style, running away to have his goal, to fight Danica. But I wanted something about this fighter who was going to fight to the death that wasn't just martial. That fighter as well kind of respects and understands in this kind of the way the Cher looks, like that he realizes that it's about something else and he kind of backs away. And so I thought there was something about Ico's presence, this kind of priestly high hand feeling to him. Alors voilà, en fait, Ico, dont le Ico Wise, right, the way. Alors donc en fait, c'est vrai qu'il recherchait cette présence, non pas tant pour effectivement le fait qu'il soit dans Red 1, qu'il avait vu effectivement, mais parce que en fait, Ico Wise donnait à ce combat une force un peu spirituelle. C'est comme un peu un prêtre en quelque sorte qui est là. C'est en tout cas une présence spirituelle. Et il y avait également une volonté chez moi de montrer un autre type de combat, puisque c'est un autre type d'art martial également qu'il utilise. Il comprend, il y a ses regards qui sont échangés. Il est en fait, lorsqu'il comprend et qu'il recule d'ailleurs, il comprend la dimension spirituelle de ce combat. Et je voulais moi-même que le public sente cette dimension à travers ce personnage, et non pas tant évidemment par rapport à Red 1 ou Red 2 qui va sortir et que vous évoquiez. Autre question. Le micro est là-bas. Mr. Reeves, growing up, I was a huge fan of the Shaw Brothers films, especially Chang Chang. I can see a lot of flavors in this film. Were you a fan of the Shaw Brothers and did that influence your decision to make this film? Alors voilà, la question porte, voilà, vous savez, les Shaw Brothers, c'était vraiment les plus grands à l'époque, producteurs chinois, et Madame disait qu'il y avait beaucoup une sorte d'influence de Chen Chen dans le film de Keanu. Elle voulait savoir s'il y avait cette influence des films des Shaw Brothers qui ont vraiment marqué tout le cinéma asiatique. Yeah, growing up, I had seen a couple of Shaw Brothers films and seen many kung fu films. So most definitely kind of infused some of the techniques that are used in the camera, some of the snap zooms of that era, some of the kind of arch characterization that they kind of, every character proposes themselves with. But then I tried to go deeper, to explore other aspects of that. You know, oftentimes, tried to talk more about the l'intérieur, the philosophe, perhaps, and definitely an inspiration. Alors, oui, vous avez raison, j'ai grandi, c'est vrai, avec certains des films des Shaw Brothers, mais surtout, j'ai regardé beaucoup de films de Kung Fu. Alors, bien sûr, il y a une influence. Je dirais d'ailleurs que j'ai repris certaines techniques des films de cette époque, en particulier le snap zoom, qui était vraiment à l'époque très typique des films des frères Shaw. Et puis aussi, j'ai voulu avoir cette façon dont les personnages dans ces films chinois se présentaient. On voyait tout de suite qu'ils étaient le personnage. Et j'ai voulu quand même en oublier un peu, en étant peut-être un peu allant, en étant peut-être un peu plus profond, mais non, je dis n'importe quoi, profond, qu'est-ce que ça veut dire? Disons en tout cas, en essayant d'explorer le côté peut-être plus spirituel, plus mental, qui évidemment accompagne ce genre de film et d'art martial.
question. Ici, micro. Hello. I didn't have the opportunity to see you at the end in the movies. Can you hear me? Okay. I didn't have the opportunity to see you as a bad guy in the movies. Do you prefer to be a bad guy or a good guy? C'est vrai, c'est la première fois qu'il joue le bad guy. Non, oui, mais celui-là, il est vraiment, c'est le bad guy de son propre film, et c'est vrai. Alors, is it better or not? It's very different. I really enjoyed playing Donica. I always thought of him as a Mephistophelian, and I always thought of him as the Dark Master. In a way, the evolution of the character starts very arch and starts very kind of clear with his desire, and becomes more of a teacher in the end to Tiger. One thing that I really enjoy about playing villains is they are very clear on what they want. They're oftentimes not very confused or questioning. You know, it's like, I want this, I need this, I'm not going to kill you. You know, whereas the protagonist is like, I don't know why I want to kill you. Why am I killing you? What am I supposed to do? So, which is fun to play as well, you know, the searching. I'll keep it short, so. alors c'est vrai que j'ai beaucoup aimé interpréter ce personnage dans ce film parce que c'est un peu, c'est Méphistophélès, quoi. C'est le maître de l'ombre, la force obscure. Et j'aimais aussi l'évolution là de ce caractère parce que dès le départ, on est très clair. On sait où est sa volonté, on sait où est son désir. Et puis j'aimais aussi que graduellement, un peu, il devienne un peu quand même un maître pour Tiger aussi. Et puis, je dois avouer que jouer les villains, les méchants, j'adore ça parce qu'il y a un côté, le méchant, il sait toujours où il va. Il est très clair dans ce qu'il veut. Il est très clair dans ce qu'il veut, il est très clair dans ce dont il a besoin. Quand il veut tuer, il tue, voilà. Et alors que le protagoniste, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il prend l'eau, il prend le micro, il fait n'importe quoi. Et il se demande, vais-je boire, ne vais-je pas boire? Enfin voilà, pourquoi tuer, que faire, où ai-je? Bref, c'est très amusant aussi de jouer le protagoniste, mais je préfère les méchants. Ok? Question. Oui, où est le micro? Là-bas. Good evening, Mr. Reeves. I'm so impressed. I might not be able to speak properly, but I try. So regarding the movie, at the end, when the bad guy kept saying, "You owe me a life, you owe me a life," at the beginning I thought he was about to commit suicide, sort of, like "You owe me a life," and I so deeply want you to kill someone that I'm willing to kill for that goal. And at the same time, he fight with so much strength, and he tried to kill him. So I thought I had made a mistake. But at the same time, at the end again, he seems so happy to die, saying that like he had achieved something that he was better than. Winning the fight, and you have this guy, your friend, making this not really gesture, but you know, something like a recognition for two masters. Yeah, precisely. So I would like to know if you can tell me whether the bad guy, wanted to die or not. You only want to look at the death wish. Or was it a total improvisation? So, totally the opposite of what you were saying, but, you know. Thank you so much for sharing how you watched the movie. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre compréhension. Because that is exactly what I was hoping to communicate. C'est exactement qu'il avait envie que vous ressentiez, ce qu'il avait envie de vous communiquer. Yes, he wants to kill. He wants to teach. He wants to die.
but he wants to die with someone who's at his level or greater than his level. And so when he says, you knew you had it in you, he's happy because he was right. You know, all the time when he says, innocent. And he wants that man's life. He wants to change him. He wants to take his soul. He wants that man to lose his soul. But then, too long an answer. So he's happy in the end because he got what he wanted. He's not happy that he's dead. He's not happy that he's dead. He's not like, thank God I'm not. But I can't stop, but maybe just very beginning. And the kid, in order to protect something, and to protect himself, for instance. So he didn't kill because he was full of anger. On the contrary, he was a winner because he managed to, he finally understood the spirit of Tai Chi. So I think the bad guy failed. He dies, remember? But it's Tai Chi. He died for nothing because he killed him in order to protect his innocence. He found his innocence again. No, he doesn't. No, I'll tell you why. Because in the end, the character recognizes that he commits murder. He recognizes that he took a life, and he respects the journey that he was on. And the villain who becomes the teacher. Oftentimes in Tai Chi and in life, we know that our enemies are our best teachers, that our mistakes teach us the best of who we are. I wish it wasn't like that, but it seems to be like that. So it's very Tai Chi, and everything that you're saying is true. I need to translate, please. Can we? I just want to say, please. You are saying that whatever the aim, from the moment you are taking someone's head in life, so you are a murderer. You really felt it, haven't you? All right. Okay. All right. Alors, voilà, donc, pour répondre à la question. But where the film becomes a story, which becomes metaphor and analogy, is that he commits murder, but he also is going to another place that he is killing, in a way, ultimately, the dark side, which is an energy. But that energy, as well as being dark, is light. Okay, thanks a lot, and I'm Alors, en fait, madame avait tout à fait compris. Nos problèmes. Alors, madame avait tout à fait compris ce que voulait dire Keanu. C'est-à-dire que oui, il veut tuer. Il veut en même temps enseigner ce qu'il a fait pendant le film. Et il veut mourir. Donc tout cela est vrai. Toutes ces contradictions sont là en même temps. Mais, ce qu'il veut, c'est mourir aux côtés ou par la main de quelqu'un qui soit son égal, soit même son supérieur. Et lorsqu'il dit, « I always knew you had it in you », je savais que depuis toujours tu avais ça en toi, il a voulu montrer que derrière cette innocence, il avait perçu une autre chose. Et bien sûr que pendant tout le film et tout son projet, c'est de vouloir non seulement le changer, mais également que cet homme perde son âme. Donc oui, évidemment, vous aviez raison quand il dit que en un sens, il a gagné, car il lui a fait perdre une partie de son âme. Mais il n'est pas, je le répète, heureux de mourir. Il n'avait pas de désir de mort. Ok, ça c'est très important. So far, so good. Vous parliez de l'innocence, du thème de l'innocence. Alors bien sûr, à partir du moment où il reconnaît qu'il a tué, cette innocence-là a disparu. Mais, il y a toujours chez les vilains, les bad guys, quelque chose de très important et qui rappelle évidemment la philosophie du Tai Chi et des arts martiaux d'ailleurs en général, c'est que nos meilleurs maîtres sont souvent nos pires ennemis. Et on le constate dans le Tai Chi, on le constate dans la vie.
et que malheureusement, ce sont souvent nos fautes et nos erreurs qui également sont nos meilleurs maîtres et nous enseignent ce qu'il faut de plus important. Bon, ce que vous dites est très tai chi. Tout ce que vous dites est à la fois faux et vrai. Et le film, lorsqu'il devient métaphore, eh bien, il montre que tuer la part d'ombre, c'est également tuer une part de lumière. Et lorsqu'il meurt, eh bien, certes, sa part d'ombre part, mais peut-être retrouve-t-il une part de lumière. Voilà, j'espère avoir à peu près traduit votre pensée. Ok, can I have one more thing? Yeah, you can have anything you want, Tammy. So at the end, when he's looking out over nature, or actually when he's after he has a scene with the master, and he's Jane's saying like, so what are you going to be? What are you going to do? He says, I'm going to teach Tai Chi. She says, you're going to be a real master, huh? A real Tai Chi master. And the guy says, yes. And then she says, well, we'll see who teaches who, which is it's the beginning of that relationship, right? To me, I felt like Tiger then has attained the position to be a teacher, because he's ultimately gone to the end. And so now he can come back into the light. Alors voilà, donc, pour reprendre à la fin, eh bien, lorsqu'il regarde la nature, mais aussi dans la scène avec le maître, lorsqu'il dit qu'est-ce que vous allez faire maintenant de votre vie, il répond bien, je vais devenir un véritable maître. Et à ce moment-là, la jeune lui dit, ouais, on va aussi teacher. Donc, qui va finalement être le maître de qui? Et c'est là, évidemment, le début de cette nouvelle relation. Et Tiger, je le sens à la fin de mon film, eh bien, a atteint un niveau, une position, et surtout mentalement, il est prêt, lui aussi, à devenir un maître, à enseigner, justement parce qu'il est allé au bout, justement, de la noirceur, il peut à nouveau retrouver la lumière. Voilà. Autre question. Où est le micro? Hello. Hello, hello. Can you stand up if you have the mic? Nice to see you. Hi. Where are you? Oh, over there. Hello. I'm here. Hi. I understand better what do you mean in your film. I'm also the Inuit in my country. And what is your insight? When you have power, it comes out. When I started to be Inuit 6 years ago, when I get this power, I feel like I can fight and I can win all the fight in life. And it was the first experience for me when I had the power. And then you can understand and you can separate what is the real philosophy of the getting power of the universe. And I'm curious, how do you use this philosophy in your life? Because you have very big power in your life. Voilà, alors la question c'est évidemment comment utiliser le pouvoir. How do you use this power? How do you use this philosophical approach in your life? We get easy questions then tonight, huh? I don't oftentimes feel like I have power. When I do, if I always feel that if you have power, it's being given to you by people around you or by a situation. If it's not, then I feel like you can maybe be capable. And in all of those places, if it's being given to me from others, then I try to respect it and appreciate it. And if I'm in a situation where it's just trying to be capable in the world or trying to take one's own power from your experience, try not to fuck it up and try to survive and keep going. Alors, c'est vrai que la notion d'avoir du pouvoir, dans le sens de j'ai du pouvoir, mais assez étrangère, je l'avoue.
Alors, bien sûr, il y a deux formes de pouvoir, je crois. Il y a le pouvoir qui peut nous être donné par les gens qui nous entourent, aussi par une situation peut-être. Mais sinon, il y a, je préfère plutôt parler d'être capable de pouvoir, dans le sens être capable de... Car je crois que si on nous donne, les gens nous donnent du pouvoir, la moindre de choses, c'est de le respecter et de l'apprécier. Et si, en revanche, c'est la situation qui nous accorde, les hasards de la vie qui nous accordent ce pouvoir, bien je crois surtout qu'il faut vraiment tout faire pour surtout ne pas le gâcher inutilement, ne pas « fuck it up », comme on dit en américain. C'est mieux que ne pas le gâcher, hein. C'est mieux. I know, it's terrible, I know. It's kind of cheating to say « fuck it up ». But it really represents that. I had to put like a stop to it because I could have kept going. Exactly. Yeah. Alors, non, une question. Alors, où est le micro? Ici. Hello. Thank you for all that you've done. My name is Pete Tice. I'm just getting started in the industry of cinema. I'm going to ask this first in French for the francophone and after in English, okay? Je suis curieux si dans toutes vos sequences d'action des arts martiaux, si c'est toujours vous, ou est-ce que vous avez un double? So in all your fight sequences, martial arts scenes, is it always you or do you have a stunt double? Thank you. In this film, I had a stunt double in two moments. In this, what I call the super fight, there's this crazy move where I'm holding Tiger, and then Tiger like swings through the legs and throws the guy over. And we tried it a couple of times with wire, and. That didn't go so well, they had to catch me. So then when we started to film it, I was like, Tiger, I can do it. And Tiger like looked at me and he said, like, you're the director, no. And I'm like, what do you mean? He goes, well, if you go to the hospital, we have to stop shooting. And so I was like, okay. But then I was like, well, let me do the second half. And so I got to do the second half where I slammed to the ground. But I got to do a lot of it. Alors c'est vrai que à deux moments seulement dans le film j'ai effectivement eu un double à cascadeur dans ce que j'appelle le super fight, quoi, la scène de dingue, parce qu'à un moment il y avait quand même des mouvements un peu dingues justement où je tenais Tiger et à un moment il devait passer sous mes jambes, bref on a essayé et voilà c'était, il le fait très très bien et donc à un moment et donc Tiger Chen m'a dit, moi je dis oui je veux le faire, et Tiger m'a dit non, t'es le réalisateur, rappelle-toi, tu vas à l'hôpital, hop, le film terminé, voilà. Donc finalement, j'ai quand même réussi à convaincre de faire la deuxième partie de la scène, voilà, hein, voilà, où là vous avez vu, je m'écroule gracieusement, voilà. Where's the mic? Yeah. Okay. Hello? Yes. I bet you've never met people from Kazakhstan. I'm from Kazakhstan. You might know about this country thanks to Bora. But my question is not about this. It was just an introduction. My question is, that was a big joke for you. That was a big project for you, and I believe you enjoyed when you've been working on it, and you are still enjoying it, I believe. But I also believe that there was a moment during maybe shooting a film or after that when you felt satisfied. Or did you have this moment, like, yes, this is what I wanted to do, this is mission completed, something like that. Voilà, did you have this moment, and when? Alors, voilà, à quel moment Ken Reeves a eu cette espèce de satisfaction, de plaisir à se dire, en réalisant ce film, voilà, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai fait.
I'll tell quickly two stories. In the beginning, the first scenes that we filmed were the scenes where Tiger is in the room and he's doing the job interview and he fights in the suit jacket, the guy pulls him. That scene took 5 days and it was what we started with in filming, basically, the first fight. And when we finished, everyone was like, wow, we did the first fight, Man of Tai Chi, and we only have 12 more to go. But everyone really loved, you know, when we looked at playback and everything, the set design, the choreography, Yuan Ping, everyone felt like this was the hand that they were trying to do, you know? All the departments, everyone was like, yeah. So there was a real excitement when we finished that fight. It was like, yeah, this could be really great. You know, we could really enjoy that. And then one of the, sorry. Damn, you're good. Master, hi, man. And then at the end, Tiger went to, he's friendly with the martial artist Jackie Chan, who's an incredible person. And so Jackie Chan's team went to go see Man of Tai Chi. And Tiger went to Jackie's club after. And all of the guys, when they saw Tiger, came up to him and they were like, good job, really good job, and wanted to take a picture with him. And so when Tiger told me that story, that he got respect and appreciation from people that he holds in such high regard, I was so happy for him, you know, and that Tiger liked the film as well. So that for me was like, yes. Alors voilà, c'est vrai que lorsque nous avons filmé la première scène de combat où Tiger est dans la pièce et on est en train de filmer, c'est vraiment notre première scène de combat, et à la fin on regarde les rushs, on se dit waouh, c'est génial, on n'a plus que 12 scènes encore à faire, tout va bien. Donc il regarde les rushs, tout le monde commente sur les décors, la beauté des décors, la chorégraphie, les combats, etc. Et tous les départements vraiment du film réunis se disent c'est génial, je crois qu'on le tient, on a un film là. Et puis, à la fin de ce combat, Tiger est très ami avec Jackie Chan, qui évidemment est un grand, évidemment spécialiste également des arts martiaux, évidemment, que vous connaissez, un acteur. Et il va dans le club le soir avec son équipe. Et à ce moment-là, tous les copains de Jackie Chan l'entourent et lui disent « Mais c'est génial, vraiment, bravo, vous l'avez bien fait !» Et tous ont voulu poser avec lui et faire une photo. Et à ce moment-là, Tiger a su, parce que c'était un compliment qui venait de gens qu'il respecte infiniment, et il s'est dit « On a là vraiment quelque chose !» Donc ce qui m'a vraiment rendu heureux, c'est que Tiger, déjà, soit très heureux de cela, et que... toute l'équipe, finalement, et la sensation d'avoir eu un projet et un vrai film à faire et à défendre. Et c'est cela, surtout, qui m'a rendu heureux, plus que tout. Voilà. Merci à vous tous. Thank you all. Merci à tous, and thank you so much. Merci à tous.